Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, ready, Lucas. Alors. Tout. Ah, mais c'est qu'il y a de base des mobs en même. Oh, il y a des mobs qui pop. Bah, je crois pas hein, au début. Oh là, si! Oh putain! Ah oui! En vrai, c'est ça qui vient ici, c'est qu'il n'y a pas besoin de se healer si on a juste pris des dégâts tant qu'on a fini les adds, quoi. C'est vrai que ça fait des jolis crits, hein. Katana qui fait des crits à 1200, c'est pas mal, hein. Et bientôt Blasphemous 2. Ah, je suis bon. Alors, j'ai bien aimé hein, Blasphemous, hein. Je trouve que c'est un très bon jeu, mais. Je suis moins excité par ce genre de jeu parce que je me perds en fait trop. Ça m'attriste, hein, mais je me perds beaucoup trop dans ces jeux. Blasphemous, j'ai adoré les boss, j'ai adoré l'univers, j'ai tout aimé dans le jeu. Mais à titre personnel, comme je suis nul et que je me perds trop, ça me frustre un peu. Mais le jeu est génial, clairement. Le 1 était excellent dans le style. Ça me frustre de me perdre tout le temps, tu vois. Ouais, je suis une catastrophe pour ça. Et donc, en fait, les Metroidvania en 2D, j'en ai un peu marre parce que à chaque fois, je me perds, quoi. J'aimerais bien qu'ils soient linéaires. Enfin, dans ce cas, ce serait pas Metroidvania, on est bien d'accord, mais... Parce qu'en fait, les Souls-like en 2D sont tous des Metroidvania, quasiment. Parce que, de base, en fait, les Souls sont des Metroidvania en 3D. C'est le même principe qu'un Metroidvania, les Souls. Depuis Demon's Souls, hein, en 2010. Ah, il y a l'élite. Allez, c'est parti. Au pire, fais-toi le reste, hein, il est sur moi. Ça ne me dérange pas du tout. Ah, tu la récup, je crois. Putain. Bon, bah, c'est moi qui fais le tisade alors. Putain, non. Je vais faire mourir de ça. Ok, allez. Tu veux pas reload, enfoiré? Tu as eu l'élite? Ah non. Ah nice. Vas-y. On va faire ça à deux. Ok. Nice. Bon, on est pas mal. Prochaine étape, les chasseurs. Allez, c'est reparti. Alors, chasseur derrière là. Ah, c'est bien, je peux taper au-dessus de toi. Ah putain, il m'a chopé ce bâtard. Ok. Tu meurs. J'arrive, Lucas. J'arrive. Ça va le faire. Il te reste quoi? Ok, d'accord. Ah oui, ok, je vois le problème. Je vois. Cherche. Parfait. Deux archers. C'est bon. Il est où ce dernier bâtard là? Voilà. Oh le petit wormhole. Bien sûr, Oxler, vas-y. Tellement fort la relique d'Aetistora. Elle est incroyable.
La relique d'Alethystora, elle est fabuleuse. Mais en même temps, elle est vraiment costaud à avoir normalement. Ok. Mais ouais, Outriders, foncez, hein, c'est un jeu assez génial qui fait partie des jeux comme ça où il est mort le boss finalement. Ouais, ouais, ouais. Ah, on l'avait fait, on l'avait commencé en live, je crois plus. Shala, ouais, on l'a eu. Hein. Ok, corrupteur est là. Top sur nous, pas de problème. Ok. Enfin, ça, c'est Tizad. Déchirer ses potes. Ok. C'est lui la paix. Oh, ils sont bien paqués, c'est génial, Enigma. Yes! Ah, voilà. Bon, y'a plus l'ad. T'es vivant? Ah, c'est là-haut. Encore des volontaires. Non, mais Enigma. C'est vrai qu'elle est quand même bien pétée en là-haut. Hein. Je cherche le boss, mais je le vois pas. Ah. Ok, ok, bah écoute, gère le boss, au pire, on le voit pas. Et moi, j'essaie de. Je vide les ads qui arrivent sur vous. Merde. Non. Ok, c'est bon, je peux venir. Ah non. Pas touchant mon copain. Allez. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oh, je crois que je t'ai déchiré, par contre, je suis désolé. Oh, Crystal Corrompu à 5. Non, ça vaut le coup de tout prendre d'un coup. En fait, World Slayer... c'est un mauvais DLC, mais c'est un génial ajout au jeu de base. Rock Slayer. En gros, c'est bien d'avoir Rock Slayer parce que ça va modifier le jeu de base. Donc, attends au pire une promo pour avoir le pack complet. Voilà. Ah oui, attends, mets l'amulette avant de finir les trucs. Comme on a déjà le loup, ça nous fait nous filer plein de thunes. Et merci, Deafus, pour le follow. On a déjà fait. Eh, j'ai déjà fait le chat, hein. Jugez pas. Oh, ça grand même temps, tout le monde skip. Heureusement. Je pense qu'on va avoir au moins 1000 de thunes, hein, place du truc. Ça passe vite, on est à moi sur F14. J'ai fait 45 minutes en live justement pour tout lire. La première fois, je vais pas le refaire par contre. Et merci Guppy pour l'année de sub. Merci beaucoup à toi. Et bon appétit à vous, Niben. C'est vraiment cool que vous kiffiez le fraîche. Tu vois, l'OP a déjà de 1 a été rentable. Mais la plus belle rentabilité en vrai, c'est qu'il y a plein de gens qui ont découvert ce que c'est de. Bah. Le plaisir de bouffer la l'eau fraîche, quoi. Et ça, c'est grave stylé. Aucun fléau à c'est alors. Ça fait bien chauffer la main gauche, hein. Par contre, faire ça sur FF14, c'est complètement con, Claude. Enfin, tu es complètement con. Pas nouveau. Surtout, je rappelle, j'ai déjà fait le truc du LM. Ok. Allez, refile-nous le loot, là. Si c'est 200 thunes, je vais être deg. Hein. T'as eu le temps de mettre l'amulette, ça va? Objectif atteint. On a eu? Ok. Et on a eu de l'XP par contre, je pense aussi. À quoi que, pas l'impression. Bon. Ok. Inventaire x2. Ah, il faut 10 c'est cristal. Et c'est que les cristaux luminites ils montent très vite en vent, cauchemar. Hein. Enfin, les corrompus. Parce que. C'est ça.
Bah en vrai, tu veux... Là on a fini ici, non? C'est une zone optionnelle. Enfin, je crois que c'est une zone optionnelle, il me semble, ouais. Hop. Je veux bien le service stress si tu peux. Ouais, ce serait pas de refus. Ça serait pas de refus. Alors, on va continuer à améliorer le découpeur à plasma. Voyons voir. Attends, là, j'ai pas de mode. Hein. Ah, si, c'est ça aussi. Attends, mais je crois que j'ai pas assez. J'espère que ça va. Ouais, ça, la lame spectrale, c'est vrai qu'elle est classe quand même. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'atome splitter, bon, maintenant. Sifri à la coréenne, boulette de bœuf et sauce bulgogi. Pardon? Ça, c'est une bonne question. Un jour! Un jour. Ah, ce bon vieux Aragorn. Ah putain, c'est 3 cristaux de luminite maintenant pour améliorer l'arme. Ah, JPP. Non! Ninja! Alors, vend. Ah, elle en vend un! Enfin, elle en vend deux, j'en achète un. Je te laisse l'autre. Je suis sympa, ça va. Je l'ai pris, ouais, c'est bon. Ah, il a disparu sous mes yeux le dernier. Bim. Ouais, je regarde. Réduit la portée effective, tous les dégâts. Bah alors, en vrai, non, Toby. Non, non, les, franchement, les corruptibles cristal, ils tombent vachement vite maintenant. Hein. Faut juste savoir où lancer les aventures. Et la dernière fois, on est monté à plus de 20. Enfin, c'était un gros délire. On a pu passer la première mutagème en 10. Et on va pouvoir passer une deuxième, je pense, mais c'est pas tant que ça en soi. Hein. Alors, donc, attends, l'âme vampire, ça fait quoi là? Parce que je l'aime, attends, le truc que tu veux. Alors, les dégâts au corps à corps. Tout à fait, Victonis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait du full FF14 sur la chaîne secondaire. Point d'exclamation secondaire. Faut faire du cauchemar en fait, Toby. Et t'en as 5 à 6 par boss. Alors, les coups au corps à corps, on les style. Ah, et ça, faut. En fait, je vais en jouer sur un saignement, d'accord. C'est ça, c'est le top pour la dague. Augmente les dégâts au corps à corps de 20%, vous avez moins de 50% de santé. Désengagement. Dans l'élan, ce qui inflige un coup critique. Attends, les coups critiques avec cette arme ajoutent 2 cumuls. Les dégâts des critiques augmentent de 1,8% pendant 3 secondes, cumulables 10 fois. Ouais, en fait, c'est quand t'enchaînes avec une arme, quoi. En vrai, elle est pas mal pour le laser en soi, parce que t'enchaînes plein de dégâts. Elle est pas mal en soi. Assaillant. Oh, bah, ça, c'est simple, assaillant, simple et efficace. Ok, re-easy. Souplesse. Je pense que je vais continuer de monter dans l'élan en vrai. Hop. Voilà. Prenez garde à la pestilence. Oui, on sait, on sait. Et je vais mettre plutôt ça ici. Pardon? Alors ça, mon pote, je sais même pas qu'il y a des emotes. Et la thune qui descend en deux-deux. Easy, on a chopé une arme, enfin on a chopé une arme, excuse-moi, on a vu une arme qui s'appelle Atom Splitter. C'est une énorme épée à deux mains qui fait une fission nucléaire quand tu fais un certain combo. J'ai trop hâte de l'avoir. Ok, découpeur à plasma plus 7. Et qui sera prochain, parce que là j'ai un Katanoka qui est sympa, mais il a pas de mode particulier, donc bon. Ok, bah ready to go, Lucas. Dis-moi. Ah, ouais, il y a des loots spéciaux hardcore. Ah ouais? Ok. Il est tellement bien en tout cas cet anneau. Ouais. Trop stylé.
Mais non, il y a des glitches sur le Hi-Fi. Ah putain, c'est débile. Le sanitarium là, qui est lock, tu peux faire tout le tour pour y aller. Sanitarium. Oui, tout à fait, oui. Putain, cet anneau il nous aurait bien aidé contre l'autre con là, Catalyseur la tempête. Un pouvoir subi des dégâts élémentaires augmente tous les dégâts infligés de 10% et la résistance à cet élément de 20 pendant 20 secondes. Dans la zone où t'es là. À la fin d'Endara aussi, je crois d'ailleurs. Parce que là, sur les modes, je crois que j'ai rien d'autre. Oh, on va remettre l'anneau de Pex. Tu vas le faire manger ? Ça marche. Bah, je vais continuer tranquille ma zone alors, moi, en attendant. Hop, on va continuer ça tranquillement. Je vais finir ma zone et je pense que je vais lancer un Erud après. Faut essayer d'avoir la Tomb Splitter. Et j'irai sur Palia vers 17h, je pense. C'est 7h le chat. Il y a le temps de 17h, je pense. Magnifique. Alors, donc ici, voyons voir. On va finir ma petite zone optionnelle. On va voir le loup ou la biche d'ailleurs. Vous l'avez pas fini la zone avec Pookie ? Et vous avez eu la zone, le loup ? Ah, les deux ? D'accord. Le bordel. Tu peux tuer le loup, tu peux tuer la biche, tu peux tuer les deux. Tu peux tuer aucun des deux ? Et vous avez choisi quoi, vous ? Vous avez tué le loup. Je ferai peut-être la biche. Il y a du palia après, ouais. Pour l'exclamation palia. Je ferai du palia cet après. Le bordel. Tiens, je suis au repos de Kaou là. Le mec avec les tentacules, je vais le faire. Plaisir. Le plaisir. Ah, plus 7, ça commence à découper sévère, là. Calmez-vous là. Yes, Midra, parce que j'ai eu un petit problème technique ce matin sur Lord of Fallen. Donc, ce que je voulais faire du Remnant demain pour avoir l'Arcom, je le fais aujourd'hui. Et voilà. Et donc, on finira final demain à Lord of Fallen, parce que je suis à toute fin, mais c'est juste que. Je vais me remettre ça. Merde. Juste que j'ai un petit problème technique sur Lord of Fallen là. Qui sera réglé pour demain. Ah, ça découpe bien, hein. Et j'avais pas envie de faire le palia tout de suite. Oh, l'élite. Bonjour. C'est ça. Ça, ça me gratte. Quel enfer. Lui, on n'a jamais trouvé son point faible, à part les éléments en soi. Ah, mais je vais pouvoir rejouer ma tempête de feu. Je suis plus avec Azelos. Parce qu'Azelos il m'empêche de jouer ma tempête de feu. Il est pas très gentil. Merde.
T'es sérieux toi là? Putain, j'ai plus. Eh mais toi là-bas? J'ai pépé de lui là. Ok, bon, l'élite maintenant. Ah, il faut que je vite que je reprenne ma tempête. Attends, et ça se trouve, je suis peut-être assez rapide pour la prendre. C'est lui. Ok, parfait. Ah, j'ai pas de balles. Fuck. C'est vrai que c'est ça, en fait, lui, il est juste sensible aux éléments, quoi. Meurs. Putain, ok. Oh putain. Ok, c'est parti. Salut Geronimo. Putain mais... Eh JPP. Ils sont bien retors ces mobs, hein. Ils sont bien retors, hein, ces salauds. J'ai remis la relique de Poyon, j'ai trop besoin de Poyon. Oh, c'est quoi ça, le vent? Clé du temple, ah. J'en perds pas, exactement. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai que je suis là, yes. Alors, logiquement... Ah, mais j'ai pas le bon mode, attendez. C'est vrai que je suis plus avec Azelos, regardez. Je vais pouvoir jouer un de mes modes préférés. Hein. Si c'était mon préféré, mais je peux pas toujours jouer. La tempête de feu. Hein. Très stylé. Hein. Très stylé. Non, ouais. Écoutez, tant pis pour la thune. Je préfère jouer comme ça. La thune, on l'aura quoi qu'il arrive. Ok. L'encensoir, c'est vraiment trop bien. Alors, c'est par là. Sérieusement? Et l'autre, il attend quoi? Putain. Ta mère. Foiré, va. Ils vont me buter, ces bâtards. Hein. Ils vont me buter, ces bâtards. Allez, mes fantômes. Chassez-moi ces salauds. Ah putain, encore un autre élite. Oh putain. Allez les fantômes. Putain, c'est con que j'ai pas de quoi faire la tempête de feu là, que j'ai plus de balles. Heureusement j'ai mes petits fantômes qui... Regardez ça comme ils sont sympas. Voilà. Merde. Il y en a combien des mobs là? Ouais, vas-y. Il
Alors en fait, il y a une commande, Rock Slayer. Ok, tu veux découvrir, logiquement, c'est avec les points de chaîne. Paye des points de chaîne et t'auras le droit. Respectez les règles. Il y a une commande, bah, toutes les streams ont une commande backseat. Encore une fois, t'es là tous les jours, JPP. Non mais, regarde la vidéo backseat. JPP. Regarde-la, tu comprendras. Alors... Allez mes petits fantômes. Ils sont bien efficaces hein, quand même. Hein. Les fantômes de la nébuleuse là avec tous mes trucs de mode, ils sont grave efficaces. Ok, élite devant, pas de problème. J'ai ce qu'il faut là pour l'accueillir. Ça va pas être comme tout à l'heure. Le problème c'est ses potes. Ses potes, je suis pas sûr de survivre. Oh, lui il a pris lourd. Invader Explorateur. Ah putain! Regardez ma tempête de feu. C'est moi la tempête de feu là. Regardez ça. Ah, ça marche à merveille. Ah putain. Il y a tellement de mobs, je sais pas si ça va suffire, mais. Elle a fait mal. Hein. Ah, ça l'a buté l'élite! Ah ah ah, trop bien! Ah, j'adore la Firestorm. Et elle dure 22 secondes. Invader, enfin Explorateur Invader, il fallait que je les monte, notamment l'Explorateur niveau 10 pour débloquer l'Archon. L'ultime classe du jeu, pour moi, en plus parfait pour mon gameplay, qui est basé sur les mods. Ça va être trop bien. Putain, j'ai plus de heal, rien, c'est l'enfer. Tellement chaud ce passage. Tout ce que je fais en fait là depuis genre une semaine, c'est vraiment justement pour débloquer l'Archon, qui est donc une classe en gros sur la puissance de mode. Allez. Et notamment tu as mes petits fantômes, et là j'ai trouvé l'autre mode, la tempête de feu. Ça sera parfait. Ok. Là j'ai plus de heal. Donc ma joie est totale.